Libération des détenus du Irak. Zeghmati se sent humilié et utilisé. Karim Tabou. Ma libération est un événement, mais celle de l'Algérie est un combat. Affaire du fioul frelaté, deux navires de Sonatrach séquestrés au Liban. La justice enquête sur l'affaire Augusta. Libération des détenus du Irak. Zeghmati se sent humilié et utilisé. Ce jeudi 2 juillet, Belkacem Zeghmati, le ministre de la Justice, a vécu une sale journée. Et pour cause, la présidence ne l'a même pas informé préalablement au sujet de la libération de Karim Tabou, Amira Bouraoui, Samir Benlarbi et les autres détenus politiques. Oui, le palais présidentiel d'El Mouradia n'a pas pris la peine de consulter Belkacem Zeghmati concernant la mesure de la grâce présidentielle décidée par Tebboune au profit de six manifestants du Irak. Zeghmati n'a pas été consulté également concernant la remise en liberté provisoire de Tabou, Amira Bouraoui et les autres détenus politiques qui ont quitté ce jeudi 2 juillet les prisons de Coléa et d'El Arach, a appris Algérie Par au cours de ses investigations. Selon ses sources, le palais d'El Mouradia a uniquement été mis en copie Belkacem Zeghmati lorsqu'il a adressé une instruction présidentielle à la cour d'Alger et de Tipaza pour faciliter la remise en liberté de Tabou, Amira Bouraoui et les autres détenus d'opinion. Même la direction générale de l'administration pénitentiaire a été informée de ces libérations bien avant le ministre, Belkacem Zeghmati. À la fin de la journée, le ministre de la Justice n'a pas caché sa profonde déception et sa colère. À quelques membres de son entourage, Zeghmati n'a pas hésité à leur confier qu'il se sent humilié par cette façon de faire. Pis encore, Zeghmati se sent utilisé par Tebboune et la présidence, qui voulait juste le voir jouer le rôle du méchant aux yeux de l'opinion publique. Quant au rôle du bon, il a été campé par Abdelmadjid Tebboune, en quête d'une gloire personnelle à travers la libération des détenus d'opinion. Au final, Zeghmati a été véritablement un dindon dans cette farce burlesque. Karim Tabou, ma libération est un événement, mais celle de l'Algérie est un combat. La figure du mouvement populaire, Irak, Karim Tabou est sorti, ce jeudi, de la prison de Coléa, Tipaza. Le militant politique a été libéré provisoirement par la chambre d'accusation de la cour d'Alger, qui a examiné le recours introduit par sa défense autour de l'exécution de la décision du 24 mars dernier, où il avait été condamné à un an de prison ferme. À sa sortie de la prison de Coléa, Karim Tabou a été accueilli par une foule de personnes venues des quatre coins du pays pour fêter sa libération provisoire. « On ne va pas se réjouir pour ma libération, mais le jour de la libération du pays », a déclaré Karim Tabou à la chaîne de télévision Berber TV. « Ma libération est un événement, mais celle de l'Algérie est un combat », a ajouté le militant, soulignant que l'Algérie a eu son indépendance, mais la libération du peuple demande des efforts. On veut plus de liberté en Algérie, on n'a pas envie que le pays se transforme en prison à ciel ouvert, a poursuivi Karim Tabou, rendant hommage à tous les Algériens qui lui ont apporté leur soutien. À la veille de l'anniversaire de l'indépendance du pays, plusieurs militants du Irak dont Amira Bouraoui et Samir Benlarbi ont retrouvé leur liberté. Un geste d'apaisement qui a été annoncé le 2 juin dernier par Soufiane Djilali. Pour rappel, Karim Tabou a été condamné le 11 mars dernier à un an de prison, dont 6 avec sursis, par le tribunal de Sidi Mamed, Alger. Suite à l'appel introduit par le parquet, la cour d'Alger l'avait condamné, le 24 mars, à une année de prison ferme. Affaire du fioul frelaté, deux navires de Sonatrach séquestrés au Liban. Empêtré dans le scandale du fioul frelaté au Liban, le groupe Sonatrach n'est pas tiré d'affaire. Deux de ces navires de transport de carburant sont toujours séquestrés au pays du Cèdre, dans le cadre de l'enquête sur ce scandale. Ce jeudi, le ministre libanais de l'énergie Raymond de Gajar a justifié la pénurie d'électricité qui touche son pays par la séquestration de ces deux bateaux appartenant à une filiale de la Société nationale des hydrocarbures. Le rationnement est dû à un manque de fioul. Si le fioul prend tant de retard à être livré, c'est à cause d'une affaire judiciaire, a déclaré M. Gajar, rapporte L'Orient Le Jour. En réaction à la séquestration de ces navires, le groupe public algérien refuse de livrer du fioul au Liban, selon le même responsable. Après cette levée, nous reviendrons au contrat qui était en vigueur, a-t-il promis.
Fin mai, la procureure générale près la cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, avait ordonné la saisie du navire de transport de carburant Assopos, qui s'est avéré chargé de fioul frelaté destiné aux centrales électriques de Zouk et de Jiyé, et qui se trouve actuellement au large du port de Jounieh, selon le même journal, ajoutant qu'un autre navire Sonatrach semble également avoir été mis sous séquestre. Depuis l'éclatement du scandale du fioul frelaté, le Liban est confronté à des pénuries d'électricité. Le gasoil fourni par Sonatrach était destiné à faire fonctionner des centrales électriques libanaises. La justice enquête sur l'affaire Augusta. La justice a décidé de s'autosaisir dans l'affaire de l'achat controversé de la raffinerie Augusta, dans le sud de l'Italie, par la Sonatrach du temps d'Abdelmoumen de Kadour. Les mises en garde répétées d'experts, qui appelaient à annuler l'opération, avant qu'il soit trop tard, n'avaient pas été entendues. « N'achetez pas la raffinerie d'Augusta », avait alerté l'ancien directeur général de Schlumberger North Africa, Hossine Nasser Bouabsa, dans les colonnes d'Algérie patriotique, en mai 2018. Un appel qui, malgré le statut de son auteur et la gravité de l'action que le patron du géant pétrolier national allait entreprendre. Hossine Nasser Bouabsa révélait que la compagnie américaine ExxonMobil essayait depuis plusieurs années de se débarrasser de sa plus grande raffinerie européenne à Augusta, sans qu'elle puisse lui trouver un repreneur en raison de plusieurs facteurs. Il évoquait notamment la surcapacité par rapport à la demande en carburant en Europe, la vétusté de la raffinerie construite en 1949, l'emplacement de la raffinerie dans une région très polluée et la réaction de l'opinion publique locale, qui réclame la fermeture pure et simple de ladite raffinerie pour des raisons écologiques. L'expert signalait par ailleurs des ramifications entre les syndicats et la mafia qui causent un facteur de coût supplémentaire non négligeable au détriment de la rentabilité et la délocalisation par beaucoup d'acteurs majeurs du raffinage, comme ExxonMobil et Total, de leurs activités en dehors de l'Europe. Hossine Nasser Bouabsa indiquait, en outre, qu'étant vieille de 70 ans, la raffinerie Esso est en fin de cycle, en se référant à des sources qui affirment qu'elle doit fermer définitivement dans 11 ans, en concluant que le peuple et l'État algérien n'ont aucun intérêt dans l'acquisition de cette raffinerie. Deux ans plus tard, soit en février 2020, le magazine des professions juridiques, Le Monde du Droit, révélait que Sonatrach avait dû emprunter 250 millions de dollars pour entretenir la raffinerie d'Augusta, en Sicile. Allen et Overy Paris a conseillé de Arab Petroleum Investment Corporation, APICOR, une institution financière multilatérale de développement, dans le cadre de deux facilités de crédit d'un montant total de 250 millions de dollars à Sonatrach Petroleum Investment Corporation, SPIC, une filiale de Sonatrach SPA, la compagnie nationale algérienne pétrolière et gazière, indiquait le média spécialisé. La facilité de préfinancement bilatéral, d'un montant de 100 millions de dollars, a pour objet de financer la maintenance de la raffinerie de Sonatrach Raffineria Italiana, située à Augusta, en Sicile, que Sonatrach a acquise auprès d'ExxonMobil en décembre 2018, expliquait Le Monde du Droit, qui précisait que la facilité syndiquée lettre de crédit d'un montant de 150 millions de dollars est utilisable pour financer l'acquisition de pétrole brut par Sonatrach Raffineria Italiana auprès de Saudi Aramco. La raffinerie d'Augusta est le premier investissement de Sonatrach en Europe. Ce complexe de raffinage intégré, qui est connecté aux principaux axes maritimes mondiaux à travers la mer Méditerranée, peut produire une large gamme de produits en aval, notamment de l'essence, distillat, mazout, lubrifiant, asphalte et produits chimiques, notait le magazine qui soulignait que l'équipe d'Allen et Overy était pilotée à Paris par Adrian Mellor et Amin Bourabiat, assistée d'Aïda Lamrani Karim, lesquels ont coordonné une équipe multidisciplinaire et internationale dirigée par Niels De Ru et Frank Biermann à Amsterdam et Stefano Senoser à Milan, tandis que Bourabiat associé est intervenu sur les aspects de droit algérien. Le peuple algérien est-il condamné à être éternellement le dindon de la farce? Une autoroute qui coûtera en finale 25 milliards de dollars, alors qu'elle n'aurait jamais dû dépasser 5 milliards d'euros, si on prend comme référence le prix moyen allemand de 5 millions d'euros par kilomètre, pour une qualité supérieure. Ajoutez à cela les affaires ArcelorMittal, Lafarge, Haliburton, Total, BRC, qui ne sont que la partie visible de l'iceberg de la corruption et la dilapidation criminelle des deniers publics de la nation algérienne, s'était indigné aussi Nasser Bouabsa, sans que personne ait pris son signal d'alarme au sérieux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.